travail de prise de conscience des abdominaux et de la stabilité lombaire sur le dos en chaîne croisée avec une jambe décollée. Pareil, on s'installe sur le dos. Voilà. Dans cette position-là, le travail va être de croiser la main et le genou à ce niveau-là, avec l'autre jambe décollée. Donc ça va donner, je décolle, et après, je vais venir croiser comme ça. OK ? Donc, je rentre le ventre, je décolle ma jambe. Là, à ce moment-là, je dois stabiliser mon dos. Je vais décoller la deuxième jambe, mon dos ne creuse pas, ne bouge pas, et je viens croiser. Ventre rentré, je repars, le dos reste parfaitement stable. Je recommence, rentre le ventre, bassin, dos stable, je décolle l'autre jambe, le dos ne bouge pas, et je viens croiser. Et je repose. OK, encore une fois, ventre rentré, bassin stable, je décolle, je viens poser, et je repars. Et je repose l'autre jambe. Je repose, et je change de côté. Là, jambe levée, ventre rentré, dos stable. Je décolle l'autre jambe, le ventre reste là, le bassin reste stable. Je viens croiser et je repars tranquillement. Je recommence, ventre rentré, je décolle, je viens croiser et je repose tout doucement. OK. Une dernière fois, ventre rentré, dos stable, je décolle, je viens croiser et je repose tranquillement. Garde ventre rentré, je repose et je relâche. Pendant tout l'exercice, le dos doit rester parfaitement stable. Peu importe les mouvements qu'on réalise avec les bras et avec les jambes.